Coucou tout le monde, bienvenue dans un deuxième let's play sur le jeu Urban Chaos, violence urbaine, édité par Eidos et développé par Rocksteady, sorti en 2006 sur PlayStation 2, Xbox, et j'en profite pour dédicacer cette vidéo à Paul et Noé qui sont membres de ma chaîne vidéo, je vous remercie pour votre soutien. Allez, c'est parti! Excusez-moi de bégayer en même temps. Et c'est parti, mon cucu! C'est parti pour leur exploser leur putain de gueule de PD. Ouais, voilà, je pense qu'il faut le dire quand même. Parce que c'est des petits fumés! On va essayer d'aller choper le truc là. Comment ça, enculé ? Ah, mais c'est pareil, des PD pareils, là. Mais c'est pas possible, hein? Bande de petits fumiers, hein? Hein, c'est moi que tu regardes enculé, bah putain, non mais dis donc les gars, hein? On n'est pas chez mémé, il va falloir arrêter de me causer comme ça, hein? Peut-être. Bon, il va falloir l'emmener sur la place, le petit gars. Et on, ça serait pas mal qu'on se fasse pas buter, quoi. Ah, c'est pas vrai. Tiens, bah tu l'as pas volé. Allez hop, objectif de rempli. Alors toi mon gars, tu vas morfler toi. Tiens, vas-y. Tiens. Bon, ok, d'accord, je me suis un petit peu lâché, mais comme ça, ça vous permet de voir ce que ça fait. Merde, 30 secondes les gars. Ah putain, lui va se mettre à crever. En même temps, cette émission elle me pète les couilles. Alors si jamais on n'y arrive pas, c'est pas très grave non plus. Bon, en même temps, si on est bon, bah si on est bon, c'est bon. De justesse, mais c'est bon. Impeccable. Mais regardez-moi cette gueule de con, il fallait sauver un machin pareil. Mais c'est pas possible, non mais... Et vous y croyez, vous? Ah non, mais c'est pas possible. Non, non, mais on, vous y croyez pas. Non, mais vous y croyez pas. Ah, non, non, non. Je sais pas si c'était un maire ou un politicien, mais vous s'en déconnez, mais... Ah là là, on en aurait dit qu'il avait... Enfin, bon, bref, peu importe. Ah, c'est sympa, hein, quand on crame quand même, là, avec le petit laser électrique, hein. C'est sympa quand même, assez jouissif, hein. Voilà, bon, ça reste un jeu vidéo, les enfants, hein, ne faites pas ça en vrai, hein. Putain, je me marre quand je dis ça, le groupe psychopathe. Bon. Mais oui, mais bon, voilà, ce jeu-là, je l'adore parce que c'est un gros défouloir. Oui, voilà, le mec qu'on voit à l'écran, bon, il ressemble à rien, mais... Mais c'est Nick Mason. Ouais, c'est super. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais bon, voilà.
C'est un gros défouloir et c'est vrai qu'on fait énormément de trucs vachement bien, quoi. Vachement bien. Est-ce qu'on pourrait faire ouais, on peut peut-être. Je pense que j'ai encore un petit peu le temps pour cette mission-là. On va peut-être lancer. Allez, on va lancer cette mission-là. Voilà, et on va gagner du temps en zappant la cinématique de mission. De toute façon, dans le premier let's play, j'en ai profité pour donner mon avis, j'ai déjà tout dit. Graphiquement, bon bah ça me plaît bien, même si on pouvait faire vachement mieux quand même. C'est sympa, les animations sont vraiment bonnes, les explosions sont pas mal du tout. Tu t'en prends plein la gueule, c'est du FPS vraiment scripté et tout quoi, mais c'est bourrin, c'est jouissif, c'est bien foutu. Maniez-vous de les trouver, parce que toi tu vas me causer comme ça, toi. Merde, par contre. Bah oui, mais bon, c'est un peu. Non mais, vous l'avez entendu, il me dit « Maniez-vous de les trouver ?» Bah, attends, non mais moi, on me parle pas comme ça. « Maniez-vous de les trouver ?» Mais enfin, quand même, je suis ton coéquipier ou je suis Thérèse, là, qui habite à deux pas de chez toi. Non mais, faut pas déconner non plus. Putain, mais j'en veux pour Thérèse, hein, moi. Non mais bon, plus sérieusement, je vais éviter de le tuer cette fois-ci. Maniez-vous détrouver. Vous avez vu ce petit sourire là? Ce petit sourire de connard là? Fumier, va. Bon là, non, on arrive par là, donc on a rien de. Ah non, mais c'est pas du connard ça quand même? Ah non, mais l'autre il me fait délirer là. Je me rappelle plus, c'est par là ou c'est par là? Non, c'est. Bah t'étais mal en point toi, t'as pas vraiment réagi hein. Ok. Waouh, péter un cadenas avec une arme à feu, mais. Bah, j'aurais pu donner un. Ouais, j'aurais pu donner un simple coup, mais bon, je préférais utiliser une balle. C'est plus marrant. Bah tiens, y a un petit masque là. Hop là. Hein. Bon bah je crois que je les ai explosés les mecs hein, voilà hein. Non, ce petit fusil mitrailleur, attendez voir que je c'est bien un fusil mitrailleur à lunettes, non, faut reconnaître qu'il est génial, quoi. Il est très efficace et quand même. Merci de m'avoir sauvé. Oh, mais je t'en prie, ma douce, mais je t'en prie, ma biche. Jane, ma collègue, par là. Mais je m'en fous, mais je t'écoute même pas en plus, mais je m'en fous. Vous avez besoin d'un peu de soins. Oui, non, bah non, j'ai pas beaucoup de vie en moins, non, c'est bon. T'inquiète pas, je viendrai te voir, je vais surtout voir ton cul, ouais. Tu croyais que tu m'avais échappé, fumier? Hein? Ah, je sais, je deviens complètement hystérique quand je joue à ce jeu-là, mais. Ah, mais merde, putain, c'est normal, quoi. Ah, mais il est super. Mon pauvre, ah, t'as une bonne qui, bah voilà, qui a pété dans ton dos. Coucou. Dis donc, quand tu crames, ça dure un moment, hein. Oula. C'est pas beau ça. Il y a quand même un petit peu de physique, hein. C'est pas mal. Hein. Les mecs, ils continuent à gicler du sang.
tiens. Bon, j'ai peut-être pas vidé le chargeur non plus. Ah, il y a un truc que j'aimerais essayer de... Ah, je connais plus la manipulation pour balancer les petites... comment ? Les petites machettes... Ah oui, elle est bien cette mission en plus. Bah oui mon gars, écoute, moi je vois un mec qui arrive, je tire, hein, je perds pas de temps. Hein. Oh un pompe, oula. Je crois que les gens ils savent pas à quel point j'adore les fusils à pompe. Et voilà. Ah, puis vous avez vu tout le sang qui jaillit du corps quand on leur explose la tête, mais c'est rigolo quoi, c'est sympa, mais c'est sympa. Mais... J'aime trop comment il cause à la fille, c'est « Ah t'aimes ça, salope hein !» Voilà mon gars, tu l'as pas volé. Bah oui, mais écoute, bah oui, mais non, mais j'étais trop impulsif là, voilà. Il nous fallait le gars vivant et c'est vrai que je lui ai foutu un headshot. Bon, bah tant pis pour le headshot. Mais bon, comme ça, vous aurez la preuve par rapport au premier let's play où je vous avais expliqué que chef de gang, on peut quand même, enfin voilà, même si on neutralise pas avec le taser, on peut quand même passer la mission, c'est pas un problème ça. Bon, bah du coup, je vais exploser la gueule quoi, bah tant pis, c'était lui. Voilà, il a plus de tête, tant pis, au lieu d'un coup de taser, bah, c'est comme ça. Bon, toi, par contre, tu vas peut-être me remettre un petit peu de santé, j'en ai pas besoin de beaucoup, mais quand même. Bien sûr, mais bien sûr, allez, vas-y, mais par contre, vas-y. Mais n'oubliez pas, je ne suis pas armée. Si une femme s'attaquait, j'aurais grand besoin d'elle. Tant mieux. Si vous avez quelque chose, dites-moi de me mettre en couvert. J'essaierai de rester caché le plus longtemps possible. Oui. Sur vous pour me sauver, compris? Oh, putain, mais tu la fermes ta gueule. Par contre, j'aimerais vérifier un truc là, quand même. Affiché. Ah, voilà. J'aimerais quand même vérifier un truc. Ouais, ok. Non, mais en même temps, bon, on l'a sauvé. N'oubliez pas que je peux vous soigner si vous êtes blessé. Ouais. Voilà. Non. Je vais à couvert. Voilà, c'est ça. Tu restes à couvert. Bon, ça, c'est pas mal parce que du coup, l'autre, elle évitera de se faire buter. Non, parce que c'est bon. Hein, Je me cache. Ouais, cache-toi, ouais. Vaut mieux en même temps. Je veux pas dire, mais... Hop, reste là. Voilà. Bon, normalement, il y a un mec qui arrive en bagnole. C'est bon les headshots avec les petits ralentis, mais qu'est-ce que c'est bon! Mais qu'est-ce que c'est bon! Mais j'adore ce putain de jeu!
Ouais, voilà quoi, c'est pas... J'aime bien les petites voitures comme ça, là, qu'ils essaient de customiser un petit peu leur pick-up, là. Ils se donnent un petit look à la Mad Max, Mad Max ou Ken le Survivant, là, le côté un petit peu post-apocalyptique. Je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa. Je pense que... Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'ils sont inspirés comme de ces licences-là. Même si ça reste comme très minime, hein, quand même, parce qu'on reste vraiment... dans un monde civilisé, tout ça, où il y a encore de tout, quoi. Headshot dans la tête, le gars! Et hop là, tiens. Qu'est-ce qu'il fait ce con-là ? T'attends quoi déjà ? Bah, les couilles de ta connerie, quoi ? Qu'est-ce que tu veux toi ? Merci, il va s'en sortir. Ouais, bah écoute, s'il va s'en sortir, moi je dis tant mieux. Oui, vas-y si tu veux, ouais, Raph, j'en ai pas vraiment besoin. Voilà, comme ça, deux mecs en même temps, on n'en parle plus. À moins que Claude... Oui, enfin, je sais pas. Voilà, donc ça, après, qu'est-ce qu'on a ? Dis pas que tu viens avec moi, toi. Non, non, je me démerde tout seul, hein, non, parce que sinon, les boulets... Non, il m'accompagne, ce con, putain ! Ouais, il fait un peu sombre par là, alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, voilà, petite lampe torche avec le gun. Je me dis, quand même, je prends la lampe torche quand même. Ça t'a pété à la gueule, pauvre con. Il y a un moment que je l'ai allumé, je m'appelle pas stupide. Merde, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Ah bah je me suis trompé. Ah là là, c'est pas vrai. Bon, on va reprendre au dernier point de passage. Ah les enfants, je me suis trompé. J'ai buté le mauvais gars. Bah tant pis, hein, c'est des choses qui arrivent. Hein. C'est les risques du métier, moi j'ai envie de dire, hein, mais... Quel mec qui me
fait des coucous derrière, là. Le mec qui faisait des coucous au loin, mort de rire. Voilà. Vous avez mis le temps ? Ouais. Ah bon, il y a des zéros ? Ouais. Cet enculé qui me dit vous avez mis le temps. Ah c'est pas vrai, mais t'y crois toi des connards pareils ? Vous avez mis le temps. Et c'est pas du fumier ça quand même pour dire ça ? Hein ? Mais t'y crois pas toi, hein ? Ça marche. Ah oui, mais oui, c'est vrai, il y a l'échelle là, ouais, c'est vrai. Bah, vas-y, écoute, fais comme chez toi, vieux. Alors. T'en es où, connard ? T'as fait ton boulot ou pas ? Vas-y. Pas possible ça. Je fonce à couvert. Mais non, mais c'est pas ça que je te demande, pauvre con. Mais est-ce que t'as enclenché le truc qui était dans le sous-sol ? C'est quand même pas possible, on va pas faire ça pendant une plombe. Non, sans déconner, dis-moi qui l'a fait. Oh ! Non, le mec faut tout lui dire. Putain, je me rappelais plus de ça. Ouais! Cette réplique de merde! Vas-y, ouvre ça que je récupère le masque, connard! C'est pas possible ça! Quand même des petits connards qui vont se ramener là. Ouais, je t'en prie. Une ambulance, sitôt la situation sous contrôle. Elle devrait pas tarder. Ouais, super. Super, super. Ah, bon sang, je me suis bien défoulé pendant cette vidéo. Ouais, super. Nettoyer les canaux de Brightside.
Bon, bah j'ai toujours mon tireur d'élite, ça c'est bien. En direct pour Channel 7. Je suis sur 20 sur 20 au niveau des shots. 5 sur 5 pour les baskets de gants obtenus. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu. J'aurais pu en arrêter 5 avec le. Comment ça s'appelle? Ah, j'ai déjà toutes les médailles. Ouais, 5 en agent réel. Ok. Plus que de ces actions coup de poing paramilitaires et de la destruction de propriétés privées. Ok, ça marche. Bon bah voilà, pour ce deuxième let's play, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, un petit coucou à Noé et Paul. Et puis, bah écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les amis.